Wow, mais ça fait 6 minutes! Oh my god, je suis en retard! Bonjour, comment ça va? Bonjour Phoenix, bonjour Vito, comment vous allez? En exclamation Veto. Et non pas Veto. Alors, vous en rêviez. Ah, je sais que vous l'attendiez. Le retour. Miles Morales. Applaudissements sonores, ouais, on fait comme si on avait un stream deck, ouais, c'est gênant. Comment ça va, caméra? Alors, bim bam boum. Ah, le live de hier soir, ça m'a fait tellement du bien, c'était vraiment trop bien. J'adore faire des live coop, qui plus est des live coop sur des jeux d'horreur. C'était une bonne dose de plaisir, de bien-être. Ça m'a fait du bien, surtout de jouer avec Ludo, qui est un de mes meilleurs amis. Fais semblant d'applaudir, merci Phoenix. Et... Merci beaucoup. Bah, j'espère en tout cas que. J'espère en tout cas que le live d'hier soir vous a fait plaisir. Et désolé si j'ai. Enfin, j'arrive pas à savoir si j'étais. Suffisamment à l'aise pour bien gérer et le chat et l'invité. J'en parlais avec Ludo après parce que j'ai eu le sentiment de l'expulser rapidement à la fin, le pauvre. J'ai vraiment eu le sentiment de dire, bon allez, cette fois-ci, au revoir Ludo, ciao. On fait le raid nous. C'était pas comme ça que je voulais faire, mais je savais pas trop comment parce que bah c'est compliqué parce que déjà j'avais vraiment envie d'arrêter le live parce que bah la fatigue, hein, réveillé depuis 3h30 du matin, pas de sieste dans l'aprem, j'avais pas mangé, il était quand même 23h, 23h30, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et c'est délicat de dire à quelqu'un bon bah je te laisse partir. Mais bon, c'est les joies du direct. Mais du coup, j'ai dit, j'en reparlais avec lui en privé et non, pas du tout, il l'a pas du tout senti comme ça. Mais moi, j'ai vraiment sentiment terrible. C'était. Alors, tiens, tu mets ta cam le dimanche? Oui, Phoenix, ça fait plusieurs semaines que du coup, je mets la cam le dimanche. Maintenant, c'est si j'ai pas envie de mettre la cam, je mets pas la cam, peu importe le jour. Et si j'ai envie de la mettre. Peu importe le jour, je la mets. Voilà. Parce que, en fait, à la base, ce que je faisais. À la base, en fait, le dimanche, c'était la journée où je prenais pas forcément une douche et je restais en pyjama. La toilette minimale à faire, quoi. Histoire de. C'était ma grasse journée, quoi. Ma journée pige. Et puis bah, finalement en fait je me rends compte que je prends quand même une douche et que je m'habille quand même, alors autant mettre la cam. Perso, ça me hype pour une coop avec toi depuis le temps en plus. Bah le truc en fait Phoenix, c'est que ah, attention, bien sûr, sur ce que je dis, ce n'est pas méchant, ce n'est pas à prendre, voilà, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu m'en as parlé, moi j'étais ok quoi, j'ai dit ouais, vas-y, let's go. Puis ça a mis du temps à se mettre en place, autant qu'on en discute, que je t'en parle, mais que tu me répondes, parce que chacun avait des choses à faire aussi et des choses à régler dans sa vie. Le temps qu'on trouve un jeu, machin, et puis au bout d'un moment, bah, je venais vers toi, et puis j'avais pas vraiment de réponse. Donc bah moi je voulais passer à autre chose et puis bah du coup d'autres coops se sont installés, donc bah, il faudra attendre. Ça fait, et franchement dit comme ça fait vraiment alors la liste est longue donc voilà, vous prenez place et vous attendez. C'est pas, bon, c'est un peu comme ça, mais c'est pas comme ça que je veux le dire. Mais bah, c'est que j'aime bien organiser des trucs comme ça et puis bah si du coup ça avance pas, bah, moi je suis obligé de passer à autre chose au bout d'un moment, donc bah vu que j'étais en accord avec d'autres, bah du coup eux comme ils m'ont répondu en temps et en heure, bah du coup c'est eux qui ont la priorité. Et c'est pas méchant hein, ce que je dis. Mais je sais que t'avais des choses à régler et tout, voilà. Mais, moi aussi il faut que j'avance. Alors
Bah là, à moins qu'il m'arrive encore un pépin, je suis dispo pour. Tu me dis quand, ce sera bon. Moi d'abord, j'attends, comment dire. Moi là, je suis en pleine coop avec Ludo et l'INSEE. Il y a Moxie qui est prévu. On en avait parlé en octobre. En principe, après, hormis Eric sur Elden Ring. Mais je lui ai dit que ça pouvait prendre beaucoup de temps parce que j'aimerais bien l'avoir à un prix intéressant. Donc Elden Ring, il est entre parenthèses parce que c'est dépendant du prix d'Elden Ring. Sinon après j'ai d'autres coops avec d'autres gens, mais on n'en parle pas plus que ça. Donc j'en parle plus avec toi de notre jeu que des autres jeux. Donc ça peut être, enfin il y aura Ludo, l'INSEE, Moxie et tu peux être après quoi. Mais alors après, quand est-ce que ça va tomber? Bah ça, je peux pas savoir. Je peux savoir que quand Ludo, l'INSEE, Moxie, ce sera fini. D'autant plus que je voudrais, comment dire, il y a certains jeux que je vais faire absolument parce qu'ils vont bientôt sortir. Mais je pense que les coops, ce sera. Toi, tu m'avais dit que le week-end c'était OK. Donc si le week-end c'est ok, on restera sur un planning du dimanche et ce sera parfait. Parce que comme ça me permettrait de faire les jeux dont j'ai besoin de faire en semaine et la coop le dimanche. Bon non, c'est pas ta faute, Phoenix, t'avais des problèmes à régler, c'est normal. Mais c'est normal que tu mettes ta vie principale, ta vie personnelle avant. C'est logique. Mais du coup, moi, de mon point de vue, bah, il faut bien que mes lives avancent. Alors, le week-end, et s'il y a changement, je tiendrai au courant. C'est parfait. Y a-t-il des gens en live? Il y a Drake, normalement. Oui, c'est cela. Drake, si vous voulez aller le voir, il est sur FF14. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Je crois que vous le voyez, Miles Morales, Spider-Man. On va refaire le jeu, l'histoire entièrement. On ne fera pas d'annexe ni rien. Là, on est là que pour des trophées. Chasse aux trophées, Road to Platinum. Il me reste 3 trophées à avoir. Avoir toutes les compétences, et il m'en manque 3. Mais il faut faire le New Game Plus pour les obtenir. Avoir toutes les tenues, et il m'en manque, je crois, une. Mais il faut faire le New Game Plus pour l'obtenir. Terminer le jeu en New Game Plus. Donc du coup, en faisant le jeu en New Game Plus, juste l'histoire, rusher, passer les cinématiques et tout, voilà, j'aurai les trois trophées qui me manquent. Et donc la platine! Ça marche, bon TFX. Bam! Bam! Ah oui, alors comment on fait un New Game Plus? J'ai pas pensé ça. Oh, si vite au mentant. Alors, vous avez terminé l'histoire principale, vous pouvez accéder à nouvelle partie. Je veux bien. Créer NP+, ça doit être ça. Mais j'ai peur que ça efface. J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Je voudrais lancer une nouvelle, un New Game Plus. Donc je vois que je peux faire carré pour créer une nouvelle partie plus. Mais j'ai peur que si je fasse créer une nouvelle partie plus, ça l'enregistre sur celle-là. Et j'aimerais bien que ça l'enregistre en dessous. Parfait. J'ai testé, ça a fait ce que je voulais. Alors, on est bien sur nouvelle partie plus. Hein. Ouais, partie enregistrée 2 NP plus. Merci Vito. On va se mettre en. Ce réglage convient aux joueurs cherchant une expérience de jeu équilibrée. Quartier sympa. Ce réglage convient aux joueurs qui souhaitent que la difficulté des combats soit minime. Miles ne peut pas être mis KO au combat. On va rester sur incroyable. Voir un résumé des événements précédents. Il y a de ça encore un an. Merde, je J'avais pensais une que vie à c'était peu une près option normale. pour mettre non. Merde. Mode découverte.
écoute, graphique, on va se mettre en performance. On va redémarrer. Voilà. Mode d'affiche, alors ça j'ai jamais compris. On va se mettre en VO. Oui. Ravi d'avoir aidé, c'est gentil, Vito. Bien sûr qu'on veut des sous-titres. On veut la taille maximale. On est très bien comme ça. Accessibilité. Narration, langue des signes. Active la narration des sous-titres de passage en langue des signes. Bien sûr. QT automatique, non. Bah voilà quoi. Allez. Zou! Alors il y a des cinématiques que je vais pouvoir passer et d'autres que je vais pas pouvoir passer. N'hésitez pas à me dire dans le chat si le son du jeu est suffisamment fort, que ma voix est suffisamment forte, que ma voix couvre quand même le jeu. Tout ça, vous avez l'habitude, surtout si vous êtes streamer ou streameuse. On est sûr qu'on peut pas passer à cinématique. Hein. Merci, Vito. Oh, je fais mal les choses, j'ai même pas ouvert mes trophées. Miles Morales, PSTHC. Tu sais que j'avais pas skip? Pourquoi tu skip pas? Gracias, chico. De nada. J'ai fait le jeu un jour de Noël et je l'ai refait en New Game Plus le lendemain, j'ai rien skip, mais il est fou. Il est fou. I got you. Alors. Hey, thanks. No problem. Hey, you think you're gonna add that new Spider-Man too? The kid? Yeah, maybe. En plus de conclure une seconde fois l'histoire principale, tu vois, t'accordera à machin. Yeah, profitez-en pour acquérir la dernière tenue et les compétences. Yeah. Thanks. Beautiful work, by the way. Alors. Maybe leave a little room for the new guy. Just in case. Les multiples capacités possédées par Miles peuvent être débloquées. Bon, ça, je pense que en gros, ça se débloque, quoi. Tous les points de compétence et heures seront atteints au niveau 23. Au niveau 23, durant votre première partie, le niveau maximum étant de 20, vous devez obligatoirement réaliser une nouvelle partie. Les tenues. Alors les tenues, c'est pas en bas. Oh putain, ça y est, le jeu commence. Alors moi, je veux tout de suite vérifier. Tenue. Bah du coup, j'ai bien ma tenue machin. Laquelle je mets? Est-ce que je mettrais pas ça avec le petit chat? Compétences. Donc là, j'ai pas de points de compétences dispo. Hey Pete, allez. Headed your way. Did I miss the convoy? Not yet. Quoique non, je vais mettre une tenue classique. Je vais mettre celle-là. Still securing a couple inmates. Man, it feels good seeing the guys who escaped last year going back to the raft. Real good. The raft's an eyesore, but it's secure. As long as the octopus-related flaws have been fixed. Let's hope. Okay. J'ai vu plus d'infos sur le prochain Spider-Man Spider-Man 2. Et bon. Pendant les lives de Spider-Man et Spider-Man Miles Morales, je disais ouais, j'espère que le 2 il sera quand même un peu différent, machin. Qu'est-ce que, à quoi je pensais quand je disais ça? C'est une licence, c'est un jeu, ils vont pas modifier complètement le gameplay et
Bien sûr que ça va être pareil. Il y aura certainement des ajouts, il y aura certainement un contenu en plus, mais ça va être exactement la même chose. Mais à quoi je pensais à ce moment-là? Pour déconner. Du coup, il est précommandé. Alors, ça me fait chier de le payer si cher, mais il est précommandé. J'ai envie d'y jouer. Les jeux sont tellement chers, c'est fou. Maintenant, tu payes 80 euros un jeu. Ça me fait sûr. Ça me fait sûr. J'ai tellement envie de le faire. Ok, be cool. Be cool. En plus, ce qui est cool, c'est que, étant donné que j'ai fait là les jeux, le premier et Miles Morales, je vais tout de suite voir la différence. Alors que les autres, si vous n'y avez pas joué là, bah, c'était il y a 2 ans, quoi, 2-3 ans. Tu pourras me dire si tu parles de trucs sur le jeu, s'il te plaît. Par contre, je me suis caché les news du jeu. Pas de soucis, j'en parle pas, vite. De toute façon, je ne comptais pas en parler. Je comptais pas dire ce que j'ai vu ou quoi. Pour éviter justement les éventuels spoils. Alors, cinématique, je sais pas. Mais Mais oui, ça va être le même jeu. On est sûr pour les cinématiques. Putain. Ça, je vais le faire plusieurs fois. Hein. Dès qu'une cinématique, je vais pas pouvoir la passer. Je vais vérifier 2-3 fois. Je suis relou, désolé. Mais non, Vito, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais moi-même, j'aurais dit la même chose. Hein. J'aurais dit la même chose. Après, je peux faire une boulette. Hein, comme ça. Du coup, j'ai précommandé Spider-Man 2. Et j'ai précommandé aussi FF7 Rebirth. Enfin, partout, quoi. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Et d'ailleurs, comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le mot. Un sondage que j'ai créé sur le Twitter. C'est le Twitter Twitch. Je vais vous le balancer. Pour savoir à quelle date, quelle période vous aimeriez que je fasse Final Fantasy VII partout. La Rebirth. Coucou Treux, comment ça va? Tenez, vous avez le sondage dans le chat. Donc pour l'instant, la majorité voudrait que je le fasse en janvier, étant donné que le jeu sort fin février. Si je le fais en janvier, voilà, ce sera plus proche. Mais bon, j'ai proposé novembre, décembre ou janvier. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais le retweeter, histoire que ce soit mis plusieurs fois dans les timelines des gens. Je vais faire ça pendant 6-7 jours, annuler le retweet et le retweeter à chaque fois, histoire que tout le monde le voit. Le mec qui est pas relou avec ses sondages. Mais je sais que, en fait, le problème, c'est que maintenant, avec Twitter, on n'est plus sûr que tout soit vu. Parce que, étant donné qu'on n'est pas, on n'a pas l'abonnement de Twitter, bah, y a des gens qui voient pas tout et c'est chiant. Et Rephoenix. Un jeu inintéressant est déjà vu et en VO de surcroît, je me casse. Mais sinon, bonjour. J'avais pas lu le message d'intro de Treux. Comment ça va, Treux, monsieur Trux? Tu as pensé quoi de Miles Morales? Eh ben, Miles Morales. J'ai bien aimé, c'est toujours dans les mêmes vibes que le premier, forcément. Mais j'ai trouvé un peu moins bien que le jeu principal et trop cher pour ce que c'est. Clairement. Fallait pas acheter le jeu à sa sortie, de mon point de vue. Mais par contre, les gens qui aiment le jeu Spider-Man, c'est exactement la même chose. Il y a des petits plus rapidement, mais très très vite fait. Miles n'a pas les mêmes pouvoirs. Non, ils ok, quoi, ça passe. Ça passe, je suis content d'y avoir joué. Maintenant, il y avait plein de petits passages où ça me saoule un peu. Hein.
Après, faut dire, je suis pas skillé de fou, non. Il est où, Dugus? Il est où, Gugus, là? Ah non, c'est Parker qui s'en occupe. Alors, cinématique, en tout cas. Perso, j'ai le même avis, mais je pense que plusieurs personnes ont le même avis. Vito l'a beaucoup, beaucoup aimé. Trop cher pour ce que c'est, même si je kiffe My... Bah ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai joué au premier. Et tout de suite après, j'ai enchaîné avec lui. Donc en fait, j'ai pas senti trop de différence, ce qui est normal. Mais j'avais en fait l'impression de jouer un DLC. Plutôt qu'un standalone. Un long DLC, certes. J'exagère peut-être dans mes propos, mais... j'en ai discuté avec... Carpa qui avait eu le même avis. Alors... Alors moi le scénario franchement je l'ai suivi, pas suivi quoi. Voilà, j'ai trouvé le scénario du premier jeu plus intéressant. Même si on reste sur un scénario de super-héros. Pas se le cacher. Mais c'était un jeu plaisant à faire, c'était une belle découverte. Je suis content de l'avoir fait quoi. Je préfère l'avoir fait que, de pas le faire. Vous avez vu, j'essaye de lire et de jouer en même temps. On peut toujours pas passer la cinématique. Ok, alors cette fois-ci on est sur Rhino. J'aime trop ce genre de passage, ouais, je trouve ça sympa. Essayons d'écraser les gens, on peut pas. Baldur's Gate 3, je ne fais plus que ça, lire et jouer en même temps. Ah, moi j'ai vraiment du mal hein, à jouer et lire en même temps. Christmas. Ah, il a un accent. Je savais pas, mais donc il avait un accent. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Vito. Ouais, j'aime bien aussi ce genre de petit passage. Il y avait une musique qu'on entendait aussi dans Ratchet. Bah, c'est Insomniac après, ça serait pas étonnant. D'ailleurs, Triple G, il est moins mis en avant dans ce jeu-là. Hein. C'est plus la meuf là dont j'ignore le nom. Hey, mom. Yeah. Coconut milk. Still trying to find it. Been kind of Par contre, les tenues, je les trouve plus jolies dans ce jeu-là. Les tenues de Miles, elles sont mieux. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plus que j'aime chez Miles que chez Parker. Merde. J'aime bien les voir tous les deux ensemble. Ouais, c'est bon pour moi de lire en jouant, ça travaille mon anglais et ma compréhension à la lecture dyslexie sur... Ouais, je comprends. Moi, j'arrive pas à... J'ai de plus en plus de mal à me concentrer sur plusieurs choses à la fois. Comme c'est ce que je disais par exemple tout à l'heure, là, en intro. C'est compliqué pour moi, en fait, quand je joue avec quelqu'un, de gérer le chat et de discuter avec la personne. J'ai vraiment du mal. Encore plus si beaucoup de gens parlent, beaucoup on se comprend, à notre niveau.
s'il y a plusieurs personnes qui parlent dans le chat, c'est difficile. Déjà, en temps normal, quand je suis seul, c'est difficile pour moi de tout lire et d'être à jour dans le chat. Alors si en plus de ça, il y a une personne qui joue avec moi. J'aime bien ça. Moi, s'il y a un truc que j'aime bien, c'est quand tu vois un ennemi et qui en fait il est dans le décor. Je pense par exemple à God of War. Et God of War, c'est réputé pour avoir des décors en arrière-plan qui bougent. Ah, j'ai envie de refaire les God of War. Allez. Surtout God of War 3. Je parle bien sûr des anciens God of War, hein. Je parle pas des nouveaux jeux. Spider-Man, you good? Il est classe, Rhino. Wake up, man. This Spider-Man is broken. I would like to exchange for new one. Ah. This one will do. Miles, get out of here. Bro. Back the hell? What was that? Hey, c'est parti. Alors, je sais plus comment on fait. Eric, comment ça va? Don't come after my friends. I will come after you. I'm not gonna let you hurt anyone else. Moi j'aime bien la tenue. Bon, ça va. Merde. Ça sert à rien, on est d'accord. What's the word? Wild goose chase! Wild
repasser la cinématique. Oh no, Parker! Alive, kinda. Ça me donne à moitié envie de me refaire tout, pas toutes les Marvel, mais de me refaire un peu les Marvel, les films. Mais il y en a tellement. Puis il y en a tellement aussi que j'aime pas, que j'ai la flemme de me faire. Et j'aimerais tellement être à jour dans les films Marvel, mais tout. Les séries, les films. Alors, il y a une série, franchement, j'ai pas trop envie, je sais plus le nom là, c'est avec des agents, un peu du FBI, là, je sais plus le nom. C'est pareil, il y a tellement de films et de séries qui m'intéressent pas. Bon courage, ouais, je dis ça, je sais que je le ferai pas. D'ailleurs, Eric, il y a Jack qui m'a proposé de le faire. Jack, on n'a pas le temps de se regarder des films lambda, alors tous les Marvel. Thanks, but he's still dangerous. Nah, we'll hold him for the police. You know, I always think these super troopers are overkill. Par contre, ce serait avec plaisir de revoir WandaVision. C'était vraiment trop bien. Hey, really great to meet you both. Future's looking bright. Hello. On peut pas passer à la cinématique, non, toujours pas. Hey, he's right. Let's clear out. Let the police do their job. Yeah. Yeah, okay. On est sûr qu'on peut pas passer à la cinématique. Bioelectricity. Wow. Gotta be honest, little jealous. Hey, look. I got nothing on the OG. Think we should run tests. Ah, sa voix à Miles, elle est mieux en anglais, en puissant, parce qu'en français. Yeah, sorry. I've been meaning to tell you, I'm not gonna be around for the next few weeks. Par contre, c'est vrai que quand je regarde là les deux Spidey ensemble, j'ai l'impression qu'ils ont le même âge. C'est vrai. Maintenant que je le vois vraiment en me concentrant dessus. Look, I don't know if I'm ready to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. I got lucky. Bah moi j'aime bien. Mais bon. Gig for 8 years without backup. You better believe I screwed up lots of times. But that is how you learn. C'est la même truc dans le sens t'aimes pas la voix de Miles Christmas ou c'est que t'as envie de te refaire tous les Marvel. First, you gotta take. Je pense que c'est plus pour Miles. Oh. Okay. I promise to do everything. Ah, oh, ils se font la promesse du petit doigt, mais c'est version métal. That's it. Rock and roll. Non, c'est pas rock'n'roll, je sais plus. Totally. Definitely didn't just make it up. La voix, c'est la même. Non. C'est pas exagéré. See you in a few weeks, Spider-Man. New York's only Spider-Man. Si. Non. I'm New York's only Spider-Man. Treux, ton mini-kappa, là. Tous les jours, tu l'actualises, en fait. On est d'accord. I'm New York's only Spider-Man. Please don't screw this up. Tu le crées chaque jour. Non? Elle est atroce ta tenue, putain. C'est la base quand tu as Prime. C'est de bas. Attends, mais comment tu. Attends. Yo Genki. Dude. Minika. What? Yeah. Where you at? You get into the apartment, okay? Ah ouais. Yeah. Your mom let me in. Non, je sais pas. Je croyais que tu le créais en fait tous les jours. Perfect. Dip over to the amphitheater. Got something to show you. Dude, is this spider related? Please tell me. Mais qui appelle son enfant Genki, putain? Pics I've seen of the fight are straight up nuts. Definitely spider related. Alors autant je trouve MJ intéressante comme perso, autant Genki. En fait, de manière générale, je préfère un peu l'univers de Spidey Parker. Peut-être parce que c'est la nostalgie, je sais pas. Que Miles. Miles, j'arrive pas à m'y faire, quoi. Ça fait un peu nouveau super-héros teenagers, mais.
mais en second plan. Ah, passer à la cinématique. Non mais j'ai pas mis ça comme tenue. Ah, je suis obligé. Ah, je peux pas passer. Attends. Je peux pas passer à la cinématique. Bah tiens, Rick, bah tiens. Alors attends. Hop. Hop, hop. On avait dit cette tenue là. Et grâce à ça, je dose mon niveau de kappa. Non, je vois le mini kappa comme le kappa. Mais le mini kappa, en fait, je l'associe à toi, truc. Moi, pour moi, c'était ton emote. C'était un peu comme si c'était l'emote truc à pas, quoi. Ah, c'est Danica. Danica, le nom. Je trouve qu'elle est plus présente que Triple G. On est d'accord que j'ai pas de compétences à mettre. Non. Et comment on fait pour avoir la tenue, la dernière tenue? Ah, des jetons d'activité. Il me faut donc des trucs d'activité. Tu as celle avec le sac à dos? Ouais, tu veux que je la mette, Eric? C'est parce que comme je l'ai mis tout le live dernier. Allez, le petit short. Bam, 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 bam. Voilà le petit champ. Miles, get ready for your first holographic training challenge. Alors, au cas où, je rappelle, maintenant qu'il y a un petit peu de monde qui est arrivé, au cas où, no spoil sur Spider-Man 2. On peut en parler, mais on parle pas de ce qui a été vu dans les trailers, s'il vous plaît, au cas où. Alors, que je vous lise. Et nous qui sera dans le film sur Kraven, je crois. Le film sur Kraven. Gros kappa, pour moi, c'est vraiment, si je dis une grosse connerie, alors que le mini kappa, c'est plus soutenu. Ok. Ah, je n'ai pas souvenir de t'avoir vu mettre le gros kappa entre eux. La tienne, c'est laquelle, Eric? Spoiler, il y a deux Spidey. Alors, Spider-Man, il se fait piquer par une guêpe et puis il pousse des ailes au cul. Oh non. Ah, oh non. Troisième ligne, deuxième du bas. Hein? Troisième, deuxième ligne du bas. Ah là. Celle-là. Ah, j'aime pas. J'aime pas, moi. Je j'aime pas du tout. Ça fait motard. Je suis pas fan. T'es pas un Daft Punk? Bah allez. Non, je sais pas, j'aime bien les yeux sur le casque. Le casque, ça peut à la limite passer, et encore. J'ai un peu du mal quand même. Mais ouais, la tenue, là, c'est la veste, elle me... Par contre, j'aime bien le logo Spidey, là, qui fait un peu... comment dire... C'est des lettres, quoi, enfin, je sais pas comment dire. C'est pas cousu, c'est... On voit, il y a un reflet, là. Le côté un peu... pas plastique, mais vous voyez ce que je veux dire. Un peu machine, enfin pas machine, mais. Ah, vous avez compris. Tenue 2099? C'est laquelle?
Tenue de sport. C'est laquelle, Phoenix? 2099? Attendez. Tenue de sport. Tu viens de la passer. Ouais, mais... C'est gentil, Phoenix, je les ai toutes faites. Tenue coups humains. Tenue track. Tenue strike. Tenue capuche écarlate. Tenue lycée de Brooklyn. Troisième rangée. Deuxième tenue. Ah! 2099, je suis con. Putain, je l'ai pas vu. Ouais, j'aime bien aussi. Même si je trouve que les pics là sur les arrière, sur les avant-bras, je trouve que c'est un peu too much. Mais ouais, j'aime bien aussi. Moi, bon, celle que j'aime bien, c'est vraiment donc celle-là. Celle-ci. Celle-là. J'aime bien aussi. C'est laquelle? Ah oui, celle-là. Non. Celle-là. Celle du dessin animé. Enfin, du film d'animation. Alors, le petit chat. First up, air combat. Fighting the enemy on your terms is a great way to gain the advantage. Is this yours? All right, yeah. This is dope. Bless Peter Parker. Fighter skills disarmed. Passer à cinématique. You trying to catch some hands? Yeah? Okay, let's go. Take the spider out and get the picture. Gonna make bank selling this stuff off. Just so you know, this is official Spider-Man tech. Y'all are not authorized to sell. These guys are see-through. How are these guys see-through? Well, that's it for the tech thieves. Now to fix a training center. Colonel Panic. Well, let's try a BIOS reset. Nice. That did it. Looks like P made stealth, swinging, and combat challenges. Gotta check these out when I get a chance. Ah, il va falloir quand même que je fasse des trucs là pour avoir des points. Alors. Mau. Hey dude. Ah, celui-là il compte pas, celui-là peut-être que oui. Ok, niveau 21, donc du coup j'ai un point de compétence. Je peux pas acheter ça? Ah non, c'est niveau 22. Alors ça fait quoi? Permet de stocker un troisième coup de grâce. Hein. Je sais pas ce qu'on gagne en faisant ça. Yeah, I'll look into it. Hey, so I want to hear more about your new spider powers.
I think it's some kind of bioelectric discharge. Or supercharged static electricity. Ooh, we gotta name it. How about Venom Power? You know, because it stings. Mais il me faut... 17 points de plus. Il me faut 20 points. 20 jetons d'activité. Ok, that's not bad. Ah, peut-être que ça, c'est pas une activité, je sais pas. I'm gonna run. Plaza first, then home. Remember, Venom Power. Trust me, it's gold. Alors, je sais pas pourquoi, truc bioélectrique, ils appellent ça Venom. Compétence lancement rapide. Ah, on n'obtient pas de jeton d'activité. Ah si? Si, j'en obtiens un. Enfin, c'est bien un jeton d'activité, ça. Oui. Attends, il y a une petite araignée dedans. Et là, il n'y a pas une araignée. Ah si, c'est une araignée. Fais les crimes non plus rapide. Oui, c'est vrai, Eric, t'as raison. Alors... C'est vrai qu'on en obtient plus. Eh ben, en parlant de crime. Tiens, d'ailleurs, si je fais ça. Ah, j'ai pas l'application là ? Ah, d'accord. Alors. Beating up innocent people is not cool. Come on. Lancer 3 objets sur des ennemis. I heard him. Ok, alors. That's what you get for harassing people. Ok, donc hop, ça c'est bon. Thank God you got here, Spider-Man. Passer la cinématique. No sign of anybody. They broke a bunch of stuff. Maybe they were looking for something. Hein? Hein? Hop. Talking about shipment. Weird. Super. Hey,
I did that grocery shopping your mom wanted, but she's wondering where you are. Dinner's almost ready. Crap. Okay. I'll try to wrap this up. Thanks, man. Move the new form into the plaza. Find out how. Nah. Come here, was your last mistake. You guys take returns? Give up! You can't beat us! Talking about new form shipments. Need to figure out what they found so I know where they're gonna hit next. C'est là. Ah. They were tracking new form. Passe, on passe. I gotta get home. Alors, est-ce que du coup là j'ai. Ah, niveau 22. Donc ça signifie compétence. Alors ça c'est quoi? La méga décharge bioélectrique se déclenche automatiquement avant un coup fatal sans vider votre barre. Ne peut se produire qu'une fois par combat. Et ça fait quoi? D'accord, ok. Bam. J'ai toujours pas le journal des activités. Mission. Pourtant c'est avec le pavé tactile, mais je crois que c'est Ganki qui doit d'abord m'en parler, ça doit être un truc comme ça. Hop, on ne peut pas passer. Mais Miles, que fait ce chat ici dans ton sac? Bonjour, Madame Moumou. Comment allez-vous? Ça, c'est pas une cinématique, on peut passer. It's all right, man. Ay, bendito. Bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, mami. I invited a guest tonight. Can you? Mais sûr qu'on peut pas passer, non? Maybe put on some music, set the mood. Ah, Nadja. Really? Your campaign manager on Christmas Eve? Well, tomorrow's rally isn't going to plan itself. Thanks for getting the apartment ready, mijo. Hello. Hello. Alors, j'ai pas suivi. Vous faire quoi? Préparer l'appartement. Ah bon. Glad Dad's tree survived. C'est bon, c'est prêt. Me too. He loved that little guy. Ain't no Christmas like a Brooklyn Christmas. Miss hearing him say that. No records. Hey mom, where's Dad's vinyl? Comment allez-vous, Moumou, en cette sainte journée que nous sommes? J'adore l'espagnol, je trouve que c'est une super belle langue. Le roulement des R, tout ça, j'adore. Must have gotten mixed up in the move. Bah ça va bien. Ça va. Who's the prowler? I wonder if Dad ever caught the guy. Dad's favorite album.
He put this on every Sunday while he made coffee. Bleached borax, borax with bleach. Huh? Borax bleach. The greatest record ever. Et du coup, Moumou, on est sur de la chasse aux trophées. Donc, Osef de l'histoire. Surtout que c'est un jeu qu'on a déjà fait. Bon, elle prépare toujours ses petites pommes de terre, là. Ses petites rondelles de pommes de terre. Miles, could you get that? Of course. Je sais toujours pas ce que c'est. How are your parents, Genki? I haven't talked to them in a while. J'ai l'impression de voir une omelette, des pommes de terre, mais ça, je sais pas ce que c'est. Wow, that's amazing. I'm glad you decided to stay in the city. It's fun having you in the house. It's good to be here, Miss Morales. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là, qu'il y a dans le faitout? La marmite, là. Glad you moved to Harlem? Back to Harlem for me. I grew up in this tortillas. Peut-être, ouais. Peut-être plutôt une tortillas vu qu'il parle, enfin, ils sont latins. You and your parents still live in Sugar Hill, right? Mais I'm glad you guys moved. I can get here in 20 minutes. It took me an hour to get to Brooklyn. I'm happy we could cut down on your commute time. Ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Miles, can you get the door? Oui, oh là là, excuse-moi de regarder ce que tu prépares. Putain, on peut même plus regarder. Alors ça, c'est une cinématique qu'on passe. C'est la méchante du jeu qu'on va tuer. Le coffre-fort avec tout notre pognon dedans. Ah non, c'est juste le disjoncteur. Merci pour le spoil. Mais on est sur un live, on a déjà fini le jeu, Eric. Alors. Non, elles vont cuire. Un jour, c'est banane. Mais c'est pas des bananes. Ah, les rondelles. Alors. Ah oui, oh putain. Really hope no one can see me up here. Alors. Don't look out the window. Don't look out the window. C'est quoi? Attends, c'est quoi ça? Putain, j'ai vite fait vu autre chose que musicien là. J'ai vu vite fait autre chose. Hein. Parce que si vous regardez un peu la tête, au niveau du. Entre le nez et la bouche. Enfin, il y a une espèce de tache noire. Bref. There it is. Bioelectric jumpstart should fix it. Oh, rien, it worked. Oh man, those lights are bright. Did not think this through. Gotta get back inside ASAP. Keep them distracted, Genki. Come on, Genki. Is Miles still outside? Actually, what about a photo? Right now. Par contre, tu feras gaffe, elle est toujours là. Coucou. Shouldn't we wait for Miles? No, he hates photos. All right, everyone squeeze in. Bah oui, on fait une coop ensemble. Great photo. Mais elle est timide. Oh, hey, Miles. Who's ready to eat? D'ailleurs, la coop avec Lindsay, je sais absolument pas comment ça va se passer. Parce que si on fait une coop avec Lindsay, il y a des chances pour qu'elle vienne à la maison. Ce serait pas un jeu, ça serait pas un jeu à faire un 2, ça serait un jeu où on se passe la manette. Et je sais pas comment ça va se passer Miles. Au niveau de la caméra. Ouais. You awake? Compliqué. No. Il va falloir qu'on fasse des tests. So ça se trouve, il n'y aura pas de caméra ce jour-là. Je ne vois que ça en vrai. Là, là. Ici, là. Pas assez cinématique.
Mais n'empêche qu'hier, quand j'ai vu ton screen, il n'y avait rien. Moi, pour moi, au début, j'avais pas regardé au bon endroit. It's almost done compiling. Oh, thank you. Ready to try out my app? Ça me donne envie de regarder The Grudge. Ça me donne envie de regarder quelqu'un jouer à The Grudge. Ça me donne envie de regarder Treux jouer à Visage. Il n'y jouera plus. Mais au moins t'as essayé, c'est comme tu dis, t'as essayé. Allez, on y retourne. On peut toujours pas passer à cinématique. Alors. Welcome to Friendly Neighborhood 1.0. It lets New Yorkers ça me donne envie de jouer à Visage. Nice. Je ne dirai pas ce que j'ai envie de dire. Oh, look, someone just made a request. Request came from a guy named Aaron Davis. Wait, what? That's my uncle. Does he know you're Spider-Man? No. Gotta be a coincidence. I'm headed to the subway stop. En fait, le problème, c'est que la mécanique du jeu, Treux, je pense que tu l'as pas. La logique du jeu. Parce que, en te regardant jouer, en fait, mais je comprends que tu l'aies pas, mais je pense qu'on personne l'a. Parce que ces genres de jeux, en fait, il faut fouiller pour savoir où aller, mais faut pas non plus trop fouiller. Et ce qui serait bien, c'est d'aller tout de suite au bon endroit. Seulement, tu sais pas où faut aller. Mais, est-ce que j'ai besoin de m'étaler dessus? He definitely didn't recognize me. Oh, calling through the app? Parce que quand je t'ai vu à la fin de ton live et que tu disais, ah bah maintenant, on peut se faire tuer random. On se fait pas tuer random. Hein. C'est toujours le même principe, hein. Il faut pas rester dans le noir. À partir du moment où tu restes dans le noir, tu te fais tuer. Le seul souci, c'est que, à ce moment-là, elle avait retiré les interrupteurs. Donc effectivement, c'est compliqué de mettre de la lumière. Et c'est pour ça qu'il faut trouver... Il faut marcher vite. Tout le temps marcher vite. Et il faut trouver des bougies, des briquets. Et allumer la télé, faut pas l'éteindre. Ce genre de truc. Been working at the subway long? Nah, took the job last year after my brother. Ouais, non, mais je comprends entre eux. Mais c'est exactement le même principe que la vieille ou que Dolores plutôt, ou que Lucie. C'est en fait, dès que t'es dans le noir, ta santé mentale vire au rouge, le cerveau apparaît et à ce moment-là, tu risques de te faire tuer. C'est exactement le même principe. C'est juste un ennemi en plus. Elle sert à rien la télé, même allumée, le jeu considère que t'es dans le noir. Non. Moi, quand j'ai fait le jeu, je me mettais justement devant la télé, qui était ma source d'énergie, qui m'a sauvé la vie plus d'une fois. Alors. R3 pour scanner. Where do these cables go? Hop là. Alors, il n'y a pas que le noir qui fait baisser la santé mentale. Non, il n'y a pas que le noir, il y a aussi tous les événements paranormaux. Par exemple, la radio s'allumait, Treux, il n'allait pas l'éteindre. Faut aller l'éteindre. Tous les petits événements paranormaux, les portes qui claquent, l'orage, les plombs qui sautent, la radio qui s'allume, les lumières qui s'allument, qui s'éteignent. Tous ces petits événements paranormaux, ouais. Comment je fais pour entrer? Ah. Hey, ça fait une ambiance la radio. Signal relays are being jammed by something. This is crazy. Mais je comprends complètement ton point de vue, toi. Je le partage. Je le partage. Mais j'ai quand même, moi personnellement, passé un très bon moment sur ce jeu. C'est compliqué de savoir où aller, mais c'est un jeu qui m'a vraiment fait flipper. Quoi.
C'est particulier, ouais, totalement. C'est particulier. Moi qui aime pas trop ne pas être guidé, c'est vrai que là-dessus, bah t'es pas guidé tout court. T'es pas du tout guidé, quoi. Faut fouiller. Mais le problème, c'est que si tu fouilles pas assez vite et que t'as pas la chance d'aller tout de suite au bon endroit, bah c'est mort, quoi. Surtout si t'as pas de. Si t'as pas de bougie, de briquet. Surtout que le briquet ne sert à rien. Le briquet, il est là juste pour illuminer ton chemin, mais en rien, c'est une source de lumière, hein. C'est pas parce que t'es dans le noir et que t'as le briquet que tu vas pas avoir ta santé mentale qui va baisser, quoi. Le briquet est juste là pour éclairer ton chemin. Et ils le disent, ça, dans le jeu. Ils le disent bien. Et même à un moment donné, justement, Treux était en train de parler. Et il y a eu le message du briquet qui a popé. Et je savais pas s'il l'avait lu. Je me suis dit, il a déjà fait le jeu. Donc, bon, je pense qu'il le sait. Bah, il y a eu des petits messages comme ça, par-ci par-là, qui sont passés, et je savais pas si tu les lisais. Je me suis dit que si. Je me suis dit, il voit qu'il y a un message, il skip pas. Il y a eu des petits messages par-ci par-là, ouais. Ah oui, non, mais totalement d'accord, Eric, mais moi je l'ai toujours dit, hein. Moi je lis pas les tutos et après je gueule parce que je comprends pas. Où est-ce que je dois aller là? Si ça a l'air chiant, je lis pas comme un tuto, quoi. Your family. Oh, so, kid. Yeah. I should go. Fight underground. Bye. Alors. D'ailleurs, en parlant de jeux d'horreur, le planning de la semaine prochaine est tombé. Je vais vous dire ce que je fais comme jeu parce que j'ai déjà oublié. Alors. Bam. Discord. Le Discord des streamers. Alors, la semaine prochaine, donc, lundi et mercredi prochain, on fait A Space for the Unbound, un jeu indépendant pixelisé. Je l'ai vu chez le youtubeur Iconoclast. Ça m'a donné envie de le faire. Ça va être totale découverte. Ça se trouve, je vais pas aimer, et on passera tout de suite à autre chose. Mais j'ai envie de découvrir. Mardi, jeudi, Uncharted 2. J'ai décidé qu'on allait poursuivre l'aventure de Nathan Drake. Vendredi, pas de live, bien sûr. Samedi. Alors, samedi, je ne travaille pas l'après-midi. Du coup, il y aura un live l'après-midi et le soir. Étant donné que le DLC Separate Ways, le DLC de Resident Evil 4, sort jeudi, moi, je vais le faire samedi. On le fera samedi après-midi, donc à partir de 14h. Et au soir, un jeu d'horreur. Jeu d'horreur que j'ai connu grâce à Vito et Monsieur Doux. Project Nightmares Case 36. Henrietta Kedward. Je vais pas le répéter le nom. C'est un nom à rallonge. Vito et Doux avaient dit que le jeu était sympa, donc on va le faire. Donc vue première personne, jeu d'horreur. Donc je suppose des petites énigmes, des trucs comme ça. Non, je ne répéterai pas, Eric. Et dimanche matin, le retour de Ludo et de Kevaki sur Resident Evil Revelation 2. Voilà. Bam. On n'a jamais dit ça. Ah si, Vito, vous aviez parlé de ce jeu, vous aviez même parlé de ce jeu-là, et je me demande... Non, c'était pas pendant The Evil Within 2. Je sais plus. Vous aviez dit que vous aviez fait le jeu. Après, je sais plus si vous aviez dit que c'était sympa. Ça, je sais plus. Et du coup, moi, j'ai regardé un peu à quoi ressemblait et ça m'avait donné envie. C'est pas juste un Call of Duty. Mais non.
Oula, faire quoi là? On va voir ce que c'est, hein. On l'a juste sur PS Store et on s'est dit pourquoi pas se le faire en partage. Ah mais moi j'avais pas compris ça. Moi j'ai cru que vous l'aviez fait. Et il me semblait d'ailleurs que vous aviez utilisé ça un peu. Ah bah j'ai totalement interprété comme d'habitude. Mais de toute façon j'ai vu des vidéos dessus et ça c'est typiquement le genre de jeu que j'ai envie de faire quoi. Donc ça sera une découverte, on verra. C'est pour ça qu'on t'aime, bah ouais. C'est vrai que parfois c'est chiant. Et comme dit Treux, souvent je lis un truc et en fait je comprends l'inverse de ce qui est dit. Alors. Ah oui, là c'est le truc d'énigme. Dimanche à partir d'octobre. Et non, parce qu'il y a des coop. Il y a des coop en cours. Mince, zut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pas sur MH. Il y a des coops avec Ludo, l'INSEE, il va en avoir avec Moxie. Alors. Donc là, faut que j'aligne les trains. Alors, je sais déjà plus. Il y avait un truc avec la grue. C'est pas la grue. Voilà. Ah, attendez, j'ai pas envie de réfléchir, donc je vais essayer de comprendre, mais sans réfléchir. Alors, ensuite, là, faut que ça, je le tourne. Je peux pas le... Comment je peux faire pour faire avancer les... Comment je peux... Ah, voilà. Yes. Okay, ensuite. One more. This train's gonna block that one. Ah d'accord, il en faut plus de deux. De quoi Elden Goose? Moi j'ai adoré notre coop sur Elden Ring, comme je disais tout à l'heure, ouais, faut que le jeu il soit pas trop cher. Parce que c'est pas un jeu qui me botte de beaucoup quoi, donc j'ai pas trop envie de le payer cher. Alors. Du courant. C'est là. They busted the controls here too, but not the generator. Okay, I can use that to power the trains. Probably. My webs are conductive.
my trusty New York subway. Yes! Ouais, moi c'est pas le côté Explo ou Soulzai qui m'intéresse, c'est vraiment le côté jeu en coop. Panels just lit up like Christmas. Good job. Glad to help. If anything else comes up, just post a note in the app. Wait a second. Bah moi Eric, j'ai pas trouvé que ça changeait. J'ai pas l'œil pour ça, j'ai l'impression. It's the least I can do for the guy who just saved my job. Cool, cool. I'll head back now. Et bah super la coop. Hey Miles, just landed in Europe. How's day one of solo Spider-Manning? Pretty good. I stumbled on a conspiracy in our neighborhood. Classic. You have a plan? Sort of making it up as I go. The mark of a true Spider-Man. Well, if you need me, I'm a phone call away. And a cross-Atlantic flight. But ouais, ça, Vito, sure, c'est un truc qui me fait chier aussi. And thanks for the gift. It is awesome. You earned it. Oh, MJ needs me. Gotta go. Ouais, mais c'est pas pareil, Eric, dans le sens où on est tout le temps dans le groupe, y'a pas besoin de réinviter la personne. On est tout le temps ensemble. Là, si j'ai bien compris, le joueur il disparaît. Si j'ai bien compris. Hein. Later. What? D'ailleurs, c'est Lie of P, c'est ça? C'est un Souls-like aussi. D'accord. Comment ça se dit? Oh, hey, Mr. Davis, I'm almost there. You gotta hurry, Spider-Man. Underground's here. On dit un liar, donc lies. Je sais pas comment on dit. Je suis nul en anglais. Lies. Uber à lies. Lies. Alors que Wulong et Nio, tu peux carrément inviter quelqu'un, faudrait informer. Software. Ça prend 2 secondes de cliquer sur la marque de l'autre joueur. On verra bien de toute façon comment ça va se passer. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et j'espère aussi que en jouant en coop, j'espère qu'on va pas se faire emmerder par les autres, quoi. Même si en vrai on va jouer avec des gens qui seront habitués, donc je pense que ça ira. Mais c'est vrai que c'est dommage pour les gens qui ils sont nuls, quoi. Après c'est sympa, ça rajoute du change. Across the intersection, another one. On it. Getting shipped by train. Then today you attack the trains. Why? To stop Newform? To steal it? Moi aussi j'ai des gros points.
it, kid. Trains are back, underground's done. You do good work. The next train is arriving in 5 minutes. Please stand clear of the approaching train. Mais je suis sûr qu'on passera un bon moment. Allez, let's go. Gadget. Non, c'est la tenue d'abord. La tenue. 16 sur 20, il m'en reste 4. You okay, Mr. Davis? Yeah. Dans 4 ans, je serais mort. Bah, super, Eric. Oh, hey. Vachement positif. Hein. À cause du manque de sommeil. Thanks. Genki said the app's blowing up. City def- Alors, là, il y a une quête, on va la faire, comme ça on va avoir plein de points. Elle est où? À la bodega de Théo. Spider-Man. Ah, c'est là. Ah, faut aller chercher le chat qu'on a déjà dans le sac. After the real Spider-Man. Bunch of jerks broke in here and robbed my place. I think they took Spider-Man too. That's awful. You see where they went? Overheard them say they're hitting the power substation. Mais d'après toi, Eric, KH4 il s'en sortit d'ici 4 ans. Sure, kid. Guess it can't hurt. Alors. I should probably call Genki when I get there. Why would these dudes go to a power station? Ah putain, c'est pour ça. Can't feel too bad taken from the underground. Après FF7 partie 2, tu penses? There's my way in. Genki, I need help. Some dudes robbed Tails Bodega, then headed to the closest power station. Weird. You've got my full attention. Watching through your live stream. Chaton. They're shooting transformers? Call the boss! Tell him Spider-Man's here! Y'all the folks who robbed Tails' place? Where's Spider-Man? Where is Spider-Man? Oh, whoa, man, that sounds crazy. You're going down! Station's output is down to 64%. Maybe you can find a backup. Examiner la centrale électrique. Bah j'examine. Trouver un moyen de charger les systèmes de secours. Bah c'est où qu'il faut que... Ah là. Taking on the backup systems. You're good at this hero stuff. Nah, I'm just a spectator. Just need to find Tails' cat. Ah, le chat qu'on a dans le sac. Wait. Oh mon dieu, on a créé un paradoxe. Stick it in place. Got it. I'm coming for you, Spider-Man. Hang tight. Spider-Man, wait. I think I know what these dudes want. There's a bank on the line. No power means no security.
So if we fix the power, we're preventing a bank heist. Stopping crime before it begins. For only two men can see the future. Only they can stop it. All right, we gotta focus. Get me out of it! Sounds like someone's paying them. Any idea who? What? So, output's at zero. I got that. Pulling up emergency lights. Okay. You can restore power if you charge the other backups. On it. Man, how many people does it take to bust a power station? What's up? Who's your boss? Anybody I know? He can't take all of us! Seriously, who planned the bank robbery? I need to find the backup systems. Okay, just gotta push ahead. Find the main generator, and hope I can fix it. These guys keep talking about their boss. Any idea who it is? Dude, a lot of people want to rob banks. It was worth a try. There's the main breaker. Gotta clear out these guys. Then I can figure out how to fix it. Nice job, boys. Someone's trying to undo our good work. Easier than I thought. Our boss has got too many enemies. Yeah, but he beats them every time. Not all of them. They're Spider-Man. Sounds like whoever planned the heist knows Spider-Man. And not in a good way. Here, has to be the other one. I don't have that many enemies. Yet. Great optimism, bro. Is that a rat? You don't think Spider-Man's the one messing with us, right? Why would you jump to that? Because the boss hates us. And I think Spider-Man hates him right back. Doesn't matter. We got a job. We'll finish it. What was that? This beats lockup, that's for sure. Man, I should have gone to dental school. Once we get our cut, you can go to 7 dental schools. Hope the bug don't show up. Un peu de furtif, hein. Changer un peu. Bon, rien à foutre du furtif. Bon allez, je file, douche, miam, miam et je file. Des bisous Eric, bon après-midi à toi, bonne douche, bon appétit, merci d'être venu, comme d'hab, et je te dis à la prochaine. Passe une bonne journée, un bon dimanche. Time to check the breaker. No good. Board's not powered. Need a generator. Here we go. Generator's up, on. Plan. I don't think it's hooked up. Hein? J'ai pas compris. J'allais faire pareil, mais j'ai oublié de poste pour cet après-midi. Tu fais quoi cet après-midi, Treux? Attends, j'ai pas compris à faire quoi. Connection solid. Let there be. Ça se dit comment ton jeu, c'est Fae Farm? Fae Farm. Oh le petit chaton. Don't you know it's rude to interrupt the bonding process? Tell me who planned the bank robbery. Give me the cat and I'll let you go. Deal? No deal. Don't let him leave here. Hey, hit him in the air. Seriously, guys, give up your boss. I'll figure it out eventually.
you. Bientôt le mien, mais aussi pour moi, je ne sais pas ce que je vais manger. Bon app quand même. Let's get out of here, Spider-Man. Je pense que c'est la V1 de ce que t'as dit. Moi je dis Fae, ok. Fae Farm. Ici c'était couscous. Oh du couscous, putain. Il n'y a plus rien, on a tout bouffé, le poulet et les merguez. Moi je sais absolument pas ce que je vais bouffer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de course. Depuis un moment je mange sur des... ce que je possède chez moi, mais c'est pas... c'est pas des repas de... enfin pas des repas de fou, mais je veux dire... des pâtes au beurre, des trucs comme ça. Un truc rapide. Ou des... comment on appelle ça déjà? Des raviolis aux épinards. C'est bien les pâtes au beurre. Ah ouais, non, moi j'adore. J'ai envie. Mon repas préféré, pâte crème fraîche escalope. Oh, faut que je m'achète ça. C'est tout con, c'est nul, mais... oh, qu'est-ce que j'adore. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Allez, let's go, la nouvelle tenue, là. Alors, tenue. Comment ça, je peux pas? Il faut peut-être attendre que les dialogues soient passés. Robberies on Harlem's commercial strip and something going down at Feast North. I'll post in the Tagino bœuf ou Tagino poulet, Phoenix. Nous, il y a rien dans le frigo, bah vous venez de vacances après. Donc c'est apéro avec ce qu'on a ramené qui reste du camping. Let's go. Sorry. Been wrapped up in stuff. Alors, tenue. Let's go. C'est ça. C'est ça. La tenue. C'est ça la tenue du New Game Plus? Vous vous foutez de moi? Non mais je rêve. Chaque sixième coup d'un combo paralyse l'ennemi. Et en plus son pouvoir est nul. Augmente toutes les munitions de gadgets de 1. Mini met davantage de temps à se libérer des toiles. Utilise le mode pour plonger dans le Spider-Verse et imiter les essais d'une tonnerre intérieure grâce à votre tenue. Ralentis momentanément le temps après une esquive parfaite. L'énergie résiduelle après une attaque bioélectrique réussie devient visible et peut être absorbée au contact pour générer de puissance bio. Ok. Gadget. 78th and West End. 78. Et en termes de compétences, je suis toujours... ah putain, point de compétence, ça y est! Le compteur de combo ne se réinitialise plus en mode camouflage, génère un point de combo. Bam! Deuxième trophée qui manque sur 3, j'ai plus qu'à rouler sur l'histoire, et c'est bon. Alors, je dois aller où? 78th and West End. Guess I'll find out what she means. Better hustle over. Là-bas. What the? Ah, y a plus qu'à faire l'histoire. En tout cas, bon appétit aux gens qui vont manger.
Moi, quand j'aurai fini le live, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Mais il faudrait que je fasse des courses. Il faudrait que je fasse des courses, mais des grandes courses, des courses. Pas des petites courses par-ci, par-là. Il faudrait que je fasse des grandes courses pour remplir mon frigo. J'ai la flemme. Faites comme je suis toujours sur place. Bah je me dis, oh bah je vais acheter ça aujourd'hui, et ça ne montre pas d'aujourd'hui. C'est pratique. Par contre, si j'ai des invités surprises, chose que je n'aime pas d'ailleurs, j'ai rien de prêt, j'ai rien. It's all good. Go save the world, mom. Live encore combien de temps? Aucune idée. Aucune idée, en fonction du feeling, dès que j'en aurai marre. Ça peut être dans 10 minutes, comme ça peut être dans une, deux heures. Than it used to be. Careful on the way up. 8 heures, ah putain. You kidding me? Hi Katie, how are you? Not always gonna be around to tell you. Well, remember, we'll remember. We'll remember. Yeah, yeah. Good. Now, alors, what are you gonna put inside this bad boy? Secret time capsule. Only Miles and I know. Boom. That's right. Keep it secret. Keep it safe. Hey Rick, you gonna take that job at Roxxon or what? Ah oui, on peut passer cinématique. Là aussi. Middle school grad. Man, it was so good to see Finn. I should find the other time capsules we hid. But a little later. I gotta get home for mom's rally. Good time to use this unlimited ride pass. Ça va, Katie. Alors. Phone, check. Subway card, check. You got the Yeah, I got it. En gros, toutes les cinématiques importantes, on peut pas les passer, j'ai l'impression. Come on, we're gonna be late. We're gonna be late. Hey, dude, I am so filling your suit with snow. Are you still wearing your suit? Yeah, you know, just in case. Ça, on peut pas la passer, non. It's gonna be fine. It's gonna be alright. See, alors, this is my favorite part of living in Harlem. Pop-up street fair, best food in the city, awesome music. Yeah, this is pretty cool. La langue de jeu a changé à l'anglais. Oui, on est passé à l'anglais parce que je n'aime pas le français dans ce jeu. Je trouve la voix française de Miles Morales moche. Par contre, on skip les cinématiques. Puisque on est en New Game Plus. Ah bah prendre Cartman pour le doubler, voilà quoi. Mais c'est pas Cartman. En fait, je sais pas. Mais il me semble pas que ce soit Cartman. Christophe Lemoine, c'est Cartman du coup qu'il a fait, c'est ça? Christophe Cartman? Christophe Cartman. Christophe Lemoine, c'est Cartman? J'ai pas reconnu sa voix si c'est ça. Pourtant, il a une voix hyper reconnaissable. Hein.
Miles, we made it home. Not just driving your mom to the hospital. What? Is she okay? She hurt her arm when she fell. Don't worry, we're taking care of her. Ah, moi je la reconnais pas si c'est lui. This attack doesn't make sense. I thought they wanted new form, but there isn't any here. Had to figure out the Tinkerer's next move. I'm logging into your analytics. Hopefully I can. Good idea. And Genki, thanks for helping my mom. Anytime, man. Gonna stop you and your glow stick guns. Hop, on peut pas. Miles, gracias a Dios. Where are you? I'm at home, but I can come to the hospital. Et du coup, mes points de compétence, ils servent plus à rien maintenant. No. Stay where it's safe. But you're hurt. What if something happens to you while I'm not there? Mijo, faudrait que je fasse un sondage sur Discord, mais vous préférez Handsome Phoenix ou mon pseudo actuel? I'll be back soon. En vrai, Phoenix, ce soit l'un ou l'autre, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Après, moi, je suis habitué à Phoenix of Flame. Mom, I saw what just went down at your mom's rally. You okay? Where are you? Mais que ce soit Handsome ou... Peu importe. À choisir, si je devais choisir, Phoenix of Flame. Entre Je suis mal placé pour dire cela. Looks like Plaza was just a warm-up. Or distraction. Go, go, go! Stop! Whoa! Let's not shoot each other, all right? Mais 50 planning quotidien. On peut passer à cinématique. Miles, I saw the explosion. Are you okay? I'm fine. But did you see the Tinkerer? Finn. Oh my god. I saw her today. If I just put everything together. This is not your fault. Ouais, 3, 4, 50 modifications par jour. The bridge is coming down. I have to stop this. It's my bed. The bridge is falling. He's falling. With... My mind is going. We need to leave now. Like that. People are trapped over there. I gotta finish this so I can help those people. On peut pas passer. Moi j'aurais réellement mis Phoenix juste comme pseudo, juste Phoenix, mais je pense que c'est pris. Ou Phoenix avec 2 X. I gotta get people off the bridge before it comes down. Oh non, c'était du pétrole. Non. The bus.
Oh merde! Everybody get out! Everybody off! Thank you! Don't worry, I got you! No! Thank you. Man! Those people! They're trapped! Ouais, taper Ensom, c'est vrai. Si ça commence par Phoenix, puisqu'on t'appelle Phoenix, c'est vrai que c'est plus intuitif quand tu veux parler à la personne. Ça, je suis totalement d'accord, Treux. Pas bête comme. Gotta get a stable. Okay. I need something they can cross. No! I can stop this! Just a little closer! Just a little! No! Vous savez de quoi ça manque dans les jeux Spider-Man là? Un choix. Genre, qui vas-tu sauver? Tous ces pauvres gens ou telle personne que tu aimes? J'aimerais bien qu'il y ait ça. Ça marche trop. Bonjour Treux. Comment vas-tu Treux? Attention, je fais un clap. Ah, moi aussi je fais comme Treux. Everyone safe. After the explosion, the bridge started to... You've got eyes on the other Spider-Man. Please advise. What's going on? I have no idea. Non, je suis pas moqueur. Copy. Je me sens no. Streamer en faisant ça. Les tests clap. No, I'm not your enemy. What are you doing? You saved us. Un, deux. Put that phone away test. Now. I said put that phone away now. Hey, get your hands off the police. Leave them. Peut passer ça, non. This is your last warning. I saved you. Plagiat. Ah oui, c'est vrai, on peut devenir invisible dans ce jeu, j'ai oublié. J'ai compris le léprochaune. On va pas passer, hein. Ah, même le chat, il est invisible et tout. What happened to Roxxon being here for us? They were gonna shoot me. They didn't even listen. Are you okay? I don't know. Wow. On peut passer? Non, putain. Here today is discussing the destruction of Braithwaite Bridge. Look, I want to root for the new Spider-Man, but his, what did you call it? Bioelectricity? You want breakfast? Well, that cost us Roxxon property, and it destroyed a bridge. This is messed up. Genre, on a détruit un pont, quoi. On peut peut-être la passer, celle-là. Non. She stole the new form. No idea why. And it's my fault the bridge blew up. Ça me fait bizarre de dire, en parlant de Détroit, ça me fait bizarre de me dire que ça y est, j'ai fini tous les jeux Quantic Dream dispo jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait les trois en live, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Il me reste encore des jeux à choix à faire. Il y a Twin Mirror qu'il faut que je fasse. Fahrenheit aussi, qui est un jeu Quantic Dream, mais très vieux, très moche.
Je l'ai jamais fait, je connais rien de l'histoire. Apparemment, c'est assez perché, mais c'est très vieux. Et j'aimerais bien faire les Walking Dead aussi, mais il y en a beaucoup. Under the Waves, c'est pas Quantic Dream, je connais pas du tout. Je sais qu'ils ont fait Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human. Under the Waves. Mom. Avec le Who said the soutien de cocoa would be Quantic great? Dream. Par If Parallel you don't Studio mind. avec le soutien de Quantic Dream? C'est quoi ce I don't jeu? mind. I am intrigued. When I got powers, and I thought I'll be able to fix anything. I will Do check anything that in Spider-Man YouTube. does. Whenever you say Spider-Man, you always mean the other one. You're Spider-Man. C'est un jeu à You can choix. fix this. Your way. Here we go. Got my position, let's hit the road. Came along, now my people here with me, I'm in my zone. Est-ce qu'un Rayman Legends sur PlayStation t'intéresse? Attends. Est-ce qu'un Rayman Legends? Bah ça dépend du Rayman Legend-like, on peut dire ça comme ça. C'est quoi Under the Waves? Je connais pas du tout. Under the Waves est un jeu d'aventure narratif sur la pression écrasante du deuil au plus profond de la mer du Nord. Dans une version techno-futuriste des années 1970, Stan, un plongeur professionnel, lutte pour surmonter une disparition qui a changé sa vie et pour embrasser un nouvel avenir. L'isolement des fonds marins reflète son état d'esprit et à mesure qu'il s'enfonce dans la solitude qu'il s'est imposée, Stan commence à vivre des événements étranges, loin sous les vagues. Il devra finalement faire un choix difficile. Véritable lettre d'amour aux océans, Under the Waves vous invite à plonger dans son univers sous-marin merveilleux et luxuriant, dont la teinte poétique et cinématographique sert d'écrin à un récit poignant. Vivez une aventure singulière à travers le regard de Stan et guidez-le dans un flot d'événements qui l'entraîneront de plus en plus profondément dans les abysses, reflet de sa propre psyché. Parcourez les vastes fonds marins en pilotant le sous-marin de Stan et rencontrez la magnifique faune sauvage, seule compagnie de Stan alors qu'il est prisonnier de ses pensées. Explorez des grottes, des épaves et des infrastructures sous-marines grâce à la combinaison spéciale de Stan et suivez les manifestations mystérieuses de ses souvenirs pour trouver un moyen de remonter à la surface et sauver sa vie. Collecter des matériaux et fabriquer de l'équipement pour aider Stan à poursuivre cette expédition et sa découverte de soi. Vous devrez oser sortir des sentiers battus pour vivre des moments fascinants et en savoir plus sur le passé tragique auquel il tente d'échapper. Parallel Studio et Quantic Dream collaborent avec Surfrider Foundation Europe pour soutenir la protection des océans. Hein? Point clé. Bon, ça je vais pas lire. Ok, bah écoute, je le mets dans ma wishlist pour le garder en mémoire. Ça peut être intéressant. Juste un petit peu peur que si tout se passe dans un sous-marin, enfin, on va aussi apparemment explorer l'océan. J'ai juste un peu peur que les environnements, ça fasse très intérieur de sous-marin. Genre. Il y a de la. Enfin, comment vous expliquer? Que ça fasse très intérieur de vaisseau spatial. Comment vous expliquer? Vous voyez Dead Space, Callisto Protocol, Alien Isolation. Ça fait très intérieur de vaisseau. De.
Y a de la... Je sais pas comment vous expliquer. Et mélanger à de la science-fiction, du coup, j'ai du mal. Là, c'est pas de la science-fiction, donc ça m'intrigue. Mais j'ai un peu peur. Donc, je pense que c'est un jeu que je vais mettre en wishlist parce que ça me donne envie. Mais il faudrait que j'en voie un peu plus pour me convaincre. Ok, j'ai ma réponse. On peut le faire en coop aussi d'ailleurs. Ah, mais oui, Phoenix! Mais du coup, oui! Étant donné qu'on peut jouer en local. Oh, Phoenix, trop bien. Let's go. Ah, puis j'ai plus envie de faire Rayman Legends en coop avec toi que je sais plus le nom, le Far Cry like. Parce que Rayman Legends, c'est un jeu que j'ai grave envie de faire. Mais surtout en coop. Faut trop qu'on check ça. Ghost Recon, merci. Parce que Ghost Recon, ça a l'air vachement sympa. Tu m'avais dit que c'était comme un Far Cry machin. Mais étant donné que là, je sors de Far Cry, tu vois, la hype est moins forte. Je trouve qu'il pousse un peu trop sur l'état du perso. J'ai un peu peur que l'explos soit guidé. Aucune idée. Les murs brillent un peu, alors j'aime pas. Pareil, je préfère plus Rayman. Ah bah let's go. Pas Far Cry like dans le sens jeu vu à la première personne, on explore, on casse tout et machin. Non, c'est plus. C'est un TPS quoi en gros. C'est ce que je voulais dire. Ça n'a rien à voir. Mais ah, oh, c'est parce qu'on parlait de ce jeu quand on jouait avec Vito à Far Cry. À ce moment-là, Gran Turismo. Non mais. Ah, oh, vous avez compris, absolument pas. Vous êtes méchant, monsieur Treu. Vous avez raison, mais vous êtes méchant. L'appli araignée sympa du quartier. Je dois aller où? Where is the story? Spider-Man égale Kingdom Hearts. Je suis la troisième personne. Tais-toi! On s'est pas compris, mais moi je me suis compris et c'est ça le principal. Alors. Par contre, l'histoire là c'est. C'est quand même l'histoire. Ginger helps with that. I can't believe you moved all the rocks below. Yeah, my brothers are useless in the show. Right. Ou encore la forme au fond de la cuisine égale ça d'accord. Ah, ça y est, on a l'histoire. Non? Hey Pete. What's going on? I saw the news. It was in Simkarian, so bon, allez, douche time à toute. À toute. Fumigated. Et bonne douche. Doesn't make any sense in context. Either way, I'm looking at flights. Alors. Be back tomorrow night. No. Don't do that. It's okay. I figured out who's responsible and I'm gonna stop them. I promise. Okay. Si vous vous demandez ce que j'attends à tourner en rond, j'attends que l'histoire elle s'enclenche. Otherwise, I'll see you when I get back in a few weeks, okay? Yeah. Okay. Thanks. And good luck learning some Korean. Why are there 7 different words for bathroom? Okay, boss. What's the plan? Finn's family has a repair shop. Allez à l'atelier de réparation. He used to do all the work there. If I'm lucky. Et il est où l'atelier de réparation? Wouldn't it be easier to just call her and talk? Hey yo, how about we find a less chaotic way to settle this, Combat assistance complete. Goodbye.
Alors. Elle est où l'histoire? Pourquoi l'histoire elle se montre pas sur la map? Hey man, lost you there. Ah, c'est que ça avait coupé, ok. Finn's family has a repair shop in Midtown. She used to do all of her work there. If I'm lucky, she still does. Wouldn't it be easier to just call her and talk? I don't think so, man. Seeing her on the bridge? I don't know that person. I need to figure out why she's doing all this. All right, man. Do what you feel is right. Keep me posted. Okay. Ah. Il y a une activité en cours. The weapons deal? In progress? I gotta check this out more. On va juste la faire elle. C'est assez rapide. Making a weapon steal out in the open like that? Pretty bold. Alors, silencieusement, merde. He's gone. How am I supposed to hit him if I can't see him? I'm not even supposed to be here today. Oh, crap, you got saved. Un combo de 10. What the fuck? I did not sign up for this crap. What the hell is going on? How are we taking you down? Could the old Spider-Man do that? Making it some supervillain to take care of? Need some help! Be more subtle next time! Voilà. Comme ça, je peux améliorer. Votre bioélectricité se recharge lorsque vous tenez dans la zone d'effet d'une mine. Lame. Just don't do crimes. Alors. What are you up to? Oh, just, you know, went on a run. Again? Miles, you're working so hard. Shop's all boarded up. Up. Sad to see it like this. Should find a low profile way in. Don't want to draw attention. Ça, c'est pas une cinématique, ça. Hello? Hello? Man, this place is dusty. No one's been here in a while. Cherchez des preuves. Rick's ESU textbooks.
He took night classes so he could keep running the shop during the day. Guy was unstoppable. Someone left the lights on. Rock saw an ID for Ella Sterling. But the photo is of Finn. Finn was working with someone to break into Roxxon. Some kind of meds. GCSF. Used for treating bone marrow decay. Whose was this? I don't remember there being bricks here. Okay. This is a secret room. Video file from 6 months ago. Ça, je peux pas la passer celle-là. Ah bon. Running a test upload. Half my team is sick. But Krieger still won't admit his new form. We need to do this tonight. Let me. You sure we're ready? We have to be. They broke ground in Harlem today, ahead of schedule. Poisoning the city to make a buck. They keep cutting corners, ignoring safety reports. I can't let them pervert my work like this, Finn. Okay, first we flush the core, then we wipe all data. You're sure they can't just make more of this stuff? No. No, as long as we take out the backup supply in Jersey 2, but without me, they'll have no idea how new form works. Project will be DOA. I'll record us. Things go wrong, video uploads straight to the Bugle. Perfect. You ready to save New York? Ready. There's a second video. Damn it. No uploads. Phone must have been damaged. I won't let tonight be for nothing. I promise, Rick. They were trying to shut the New Form project down. Something went wrong. Last known location of her phone. If I can track it. Okay. Come on, come on. Be invisible, be invisible. Come on. He's here! Don't let him leave! Straight up banishing me to put these guys out. Ow! You can't beat all of them! C'est pas parce que vous avez un... un sniper, vous allez me tuer, non mais oh. Ah, je voudrais juste checker un truc. Deux petites secondes. Bam. Okay, back to that computer. If I can find Finn's phone, maybe I can understand what happened to Rick and why she became the Tinkerer. There, got a location. Hop, nouvelle destination.
call Genki. Fill him in. Ça me tue que les niveaux ils montent, on gagne des points de compétences alors que ça sert plus à rien. On peut plus acheter de compétences, on peut même pas les améliorer. Je comprends pas. Ils auraient dû convertir ça en, en autre chose. And it looks like Newform was making him sick. Simon Krieger has been telling everyone how safe it is. He's lying. Finn and her brother tried to shut down the prototype reactor. Prevent further development. What happened? Don't know. Yet. Finn recorded the whole thing on her phone. But then she lost it inside the labs. I'm on my way to get it. Listen, I'm right here. Call if you need me. Will do. Roxxon Research Lab. Mmh, hop. Infiltré. That Ben has high voltage shielding. Wonder what powers it. Gotta disable it somehow. Hey! Taking aim! Okay, now to get into the building. Yeah. Absorbing energy fried the generator. I can't believe that actually worked. And I'm in. Breaking into a lab full of armed guards. Christmas break sure is different this year. I should be at home, taking naps, playing a ton of video games, and eating like 100 Christmas cookies. Which way? Oh, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Bon, je pense que c'était pas le bon. That is going in a circle. The guy who installed that is clearly padding his resume. Ah! Ah! Mais mon personnage. Ugh. Dude's gonna get musty. Tracker said the phone was pretty far below ground level. Shielding. How'd you do that? I've worked with systems like this before. Now focus. Looks like a good time to try out those remote mines. Damn it. I said quiet. Sorry, got caught up in the moment. Trouver le téléphone de Finn. Like a new form reactor? C'est what these schematics say. Yeah. Là, je sais pas où il est, moi. Ça, c'est une cinématique que je peux passer. So you're gonna tell me whose phone you're looking for? Tinkerers. You gonna tell me why you're stalking me? To protect you. You should feel honored. Ah, j'ai faim. Can't believe my uncle's the prowler. And I can't believe my nephew's risking his neck for a phone. Ah, voilà.
You're close to the reactor prototype. Need to take these guys out. Don't like being this close to the reactor. Friendly down! Oh. Clear up, I got nothing! Hit him like this! Yeah. Targeting Spider-Man! Nice work. Thanks. Silo's just on the other side of that blast sheet. Use that terminal to open it up. Wait a sec. There's more labs around the city? With a new form reactor in each one. Allez, je vais au miam. Des bisous tout le monde. Des bisous, Phoenix. Bon appétit à toi. Je sais pas si on te revoit après. Auquel cas, bon après-midi. Get the phone and get out of here. Reactors below. Powers this whole facility. Phones all the way at the bottom. Ça marche. Looks like I need to figure out a way past that fan. And all those guys too. Remember what I said. Don't get caught. Hi, Genki. Just calling to make sure you're not hurt, or, you know, dead. Ha! Thanks. Actually got my uncle here help me. Void worker guy? Yeah. Turns out, he's also the Prowler. Long story. Wait. Prowler? The thief who runs around in purple? Former thief. We're not partnering. It's just a one-time thing. Your uncle's the Prowler. That's a lot, man. Like, a lot, a lot. I know. I gotta go, Genki. I'll fill you in later. Be quick about this, nephew. I'm trying to shut down cameras and alarms to keep more of them coming. Break the wires above the fan, and it should stop. Thanks. Dang. I gotta keep them in place somehow. Yes. Now for the wires. Alors. Salut Champagne. Bienvenue à toi. Alors ça, ok. Battery needs a charge. Alors, hop. Uncle Aaron, can you unlock the reactor shooting from where you are? Why? Désactiver le réacteur du même machin. That reactor killed my friend. C'est tout là-haut, ça. It needs to be shut down permanently. Quoi comme jeu platiné? Oula, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce que j'ai comme commande? Je sais plus si j'ai. Fine. Non, alors c'est. I can raise the shield from here. Let me know when you're ready. Thanks, Unc. Alors, là-dessus, si tu veux, tu cliques sur le lien et ensuite tu cherches PSN profil et ça te montrera tous les jeux que j'ai en platine. Et j'en ai plusieurs, Champagne. All right, let's do this. Okay, stand back. Just like the generator outside! Only huge! What are you doing? Wow. All right. You gotta get out of there, man. Can you move? Yeah. Go down that hallway. Now! Hey, let's go. I feel real bad right now. It's like it's tear me. I can't. I feel. It's a little further than you. Keep. Hop là. Dommage qu'on puisse pas passer toutes les cinématiques. Hold the energy. Ma, talk to me, kid. You alright? I feel like I just got dropped out of a plane. But at least the reactor's disabled. You're almost out.
I really needed that phone. Now what am I gonna do? Come on, kid. I can't get to you before Roxxon does. Paf, non ça non plus. Stand down! We're taking you into custody! They've got orders to capture. Why? What do they want? Study you, interrogate you. Don't know, don't care. Just don't let them. Grenade out! Got him in my sight! Back it off! God damn it! Ma, I just got booted from the system. Give me a minute. I'll get you out of there. Got it. You have orders! Capture Spider-Man! Toi là, viens ici. Let's go before more of them show up. Ah oui, j'en ai quelques-uns. Mais c'est pas grand-chose. Ça, on peut la passer. I'll take the right. This is bad, man. Real bad. Don't worry, we can take these guys. We still got. Oh, I ain't worried about that. I'm worried about after we get out of here. We're both on Drinker's short list now. He's attacking. How is Booker going to find the target? Someone help me out here. I have no idea, but it's cool, right? Peace out. The 8th train will be passing by soon. What does that matter? Go through. Just keep fighting. Sorry, trade secret. Yeah. Okay, train's almost here. Get ready. We're gonna get out of there. Through the hole. Hurry. We're authorized to use it. Go now. Taking aim. Get out of here, kid. T'es où? Ah merde, c'est là! Ça, c'est comme la première fois, j'avais complètement zappé qu'il fallait le suivre. Ça, c'est une cinématique. Ah, je peux pas la passer celle-là? Ah ouais. T'es sûr? Ah non, je peux pas. You need to lay low. Don't trust anybody and don't take off that mask. Wait till Roxxon finds a better target. I can't lay low. I still need to find Finn. Your friends. Déjà 2h30 de live. No wonder you care so much about this. It's not just that. I'm protecting New York is my job. Use Finn. Tell her you want to join the underground. You just told me don't take off the mask. Don't tell her you're Spider-Man. Go to her as a friend. No, she's too smart for that. You'd be surprised. People get stupid when they care about someone. Like you're being stupid now. If I told her the truth... I told your dad the truth. Thought he'd have my back. Hoped he would. And my brother. Instead, he cut me out. If I kept my mouth shut, maybe I'd still have a family. You know what you have to do. Ok, c'est bon. Ok. I should call Finn? No, no. I've got time to check on the city. Yeah. Alors. Miles, you know how many followers you've gained since the app went live? It's crazy. And I've been running some numbers. And I know you said no to ads before, but maybe we could reconsider. No. Right. No, of course not. I'm just saying. So did you find Finn's phone? Yeah, but it melted after I absorbed energy from a new form reactor. What? How are you not dead?
Felt like it was for a minute there. But then I released all the energy in kind of a mini explosion. Luckily, I didn't bring down the whole lab. Man, I gotta start taking notes on all your new powers. So, what's the plan now? Uncle Aaron thinks I should tell Finn I want to join the Underground. Then I could take the new form so she doesn't use it for whatever. Whoa, like, lie to her face? Yeah. But I don't have any other leads. You know what we need? Don't say a pros and cons list. A pros and cons list, exactly. I gotta make a move, man. I guess. Well, good luck. Call if you need me. Ok. Alors, le petit crime. Histoire que l'histoire elle se déclenche. Ah, c'est bon. Hey, Uncle Aaron, what's up? Hey, how's your jump shot these days? Last time we played pickup Brick City. You been working on it? I play at school. But I gotta be careful with the whole spider thing. Man, I bet you already forgot what I taught you. Feet set, balance, rise up and follow through. And did you forget I got all these powers now? I could definitely beat you in a pickup. Oh, you wanna He's kicking us off! Did anyone call reinforcements? Hang on to the people! They've got it out for me and that driver. You can't stop us, Spidey! No way in hell I'm letting you in. Gonna miss more. Forget the spider. Grab me, Kingsguard. I'll kill you. We're here for the bush. Ignore Spider-Man. They're done. It's all good. Parfait. Alors, retrouver Finn okay, à tel endroit. I gotta do it. Call Finn. Get her to let me in the underground. Hey, Miles. You okay? Yeah. Why would you say that? I saw the news about your mom's rally. We're fine. Do you have time to get coffee, maybe? I can make time. There's a place on Edison, near Fisk Tower. They don't do foam art, but people don't take pictures of their lattes, so... worth it. Okay, meet you there. Real-life hero right here. Allez, let's go. Hey, Uncle Aaron. I'm back. I was about to remind you. I've got all these powers now. I could definitely beat you in a pickup. Oh, you want to test that? Bring it on, old man. Hope you got the skills to back that up. Next time you're free. Taking you down. Alors, on peut pas la passer. I was really glad you called. I needed a break. From what? Oh, just stuff. So,
I went to your folks' old shop. Thought you might be there. Looked like there might have been some kind of fight just before I got there. I went inside, looked around. Found out about Rick. I'm so sorry. What else did you find out? I want to help you. But you gotta talk to me. I'm really sorry your mom got hurt at her rally. If that new Spider-Man hadn't shown up, everyone would have been fine. Please don't try to talk me out of this. I know what I'm doing. Okay. Good. So, that's my big secret. That's why I've been so busy. What's your excuse? Well, school, volunteering at Feast. You're always busy with stuff like that. What's the real reason? The real reason is I've been taking on a lot more responsibilities than I can handle lately. Made me push my friends away. But I'm here to fix that. Maybe I could join your club? Crew? Team? I don't know. Vraiment dommage qu'on puisse pas passer toutes les cinématiques. He was the best. Puisque là c'est un live où on s'intéresse pas à l'histoire. If you want my help, I'm all in. If not, no worries. Your secret is safe with me. You're a good friend, Miles. Okay, let's go. Where? You know I'm not good with heights. You'll be fine. I'll be watching. Alors. You'll need to prove yourself to the underground. I'll show you how when we get to Fisk Tower. You're set up in the Kingpin's office space? After he went to prison, the feds seized his property. They haven't gotten around to selling it, so we moved in. How'd you get involved in all this? The underground, the Tinkerer. Tinkerer's a nod to my role. I built everything. The masks, the weapons. Programmable matter. Right. The underground tried to rob my granddad's shop and saw what I was working on. We made a deal. I know you're after Krieger. But what do they get out of it? Besides guns. Notoriety. They want to be so well known, they can get away with anything. And you're good with that? I can't take on Roxxon alone. Come on. You need to jump from the crane to the balcony. Show them you're fearless. They're watching? Through the windows. You have to do this. Come on, you'll be fine. Gotta do this without giving away I'm Spider-Man. Oh mon dieu, horrible. Moi, jamais je passerai là. Come on, Miles. Make it look good. Tu dois te faire super mal à faire ça. Gotcha. So am I officially in the club now? Sure. But watch your back. These guys take a while to warm up to new people. Here it is. Where the plan comes together. So, your plan. How does Newform fit in? Krieger's saying you stole a shipment. I stole one canister. I'm making some adjustments. Don't worry about it. Take today to settle in. Right. Good, you're back. Gavin needs you. Not now. We've got a new recruit. Fine. Oh, man.
You built all these? Yeah. Long as the new weapons keep coming, the underground stay loyal. Is that a programmable matter sword? New enemies, new solutions. You mean Spider-Man, right? This week's most unwelcome surprise. She's not even showing downstairs, right? Dave, Gavin's really freaking out about shield calibration. How many times do I have to explain it to him? Miles, I need to deal with something. Hang here, okay? Oh, yeah, sure. Danica, now's my chance. I gotta figure out where she's keeping the new form. Might be able to find some clues in here. Hello. Seen these before. This, a supply crate? Yeah, some asshole's been raiding them. Need to booby trap them or something. Love a good challenge. It's a lot of cash. Even more downstairs. Old man's basically funded us. Whether he likes it or not. More downstairs. That sounds promising. How long you been at the underground? Bridge attacks getting the underground a lot of press. Gotta grow that rap. Ask me, we should be focusing on PR, not lugging around this new form crap. Lugging it around? Maybe they brought it here. We were doing fine before. Ooh, Fisk would not like this. J'ai pas vu ça la première fois. Secret rooms. Alors récolter des indices pour trouver le new form. This stuff from Martin Lee's gang? Yeah, trophies. Ah ouais, je reconnais. These guys are well trained if they took down the demons. Wonder where they train. Hmm. Might be using Fist's secret rooms on the ground level. Break time's over, kids. Group 2, head downstairs for training. Sounds like where I need to go. Underground. They're like us. I've seen this guy somewhere. Gotta update Genki. Who are you texting? My mom. Yeah, she needs me at home. Right now? Really? Yeah, her wrist is in a cast. I need to help with dinner. Did you tell her I'm... Thanks. You can head out that way. See you back here soon? Definitely. Ah, passer à la cinématique, let's go. Enfin. Let's see if they keep their secrets downstairs. Genki, I'm in the vents. Nice. Did you find out where they're hiding the new form? Not yet. But I saw Finn head toward the basement, so I'm gonna try and follow her. Hey, when you're crawling through vents, do you ever feel like you're in a movie and start humming suspenseful music to yourself? And then think about getting caught and put into a cell suspended over an alligator pit, and then making a bomb out of gum wrappers to escape? Wait, what? No! Hello. Cool. Just curious. Okay. I'm in the atrium. I need to do some underground training exercises. Then I'll look for a secret room. What the man? He's weak! Keep on him!
Bah, il devrait s'accrocher au mur normalement. Hey, ils sont combien? Ah okay. Bah voilà. Still no sign of Finn. She must have gone somewhere. I read this interview with Fisk where he said he loved art with a purpose. What does that mean? I don't know. But they also found a bunch of secret passages in his house hidden behind art. So yeah. Gotcha. I'm looking. Hey! I think I got something! Oh! Secret stairs. Hop. Goes deep. Lots of mob bosses have secret exits like this. Wonder if Fisk planned to use it when the other Spider-Man came for him. He should have built a faster elevator. Maybe he would have gotten away. Let's not start giving the supervillains ideas, cool? Tiens, c'est marrant. J'avais pas fait gaffe, mais Spidey, il a changé de tenue. We know how dangerous New Form is. You knew this would be dangerous. It's the deal we made. But if we're getting sick too? You can't hack it, you can get out. The underground doesn't have time for weaklings. You hearing this? New Form is making the underground sick too. They're so callous about it. You moved the New Form? Putain, on peut pas passer à la cinématique. Safely? Yeah. The lab uptown. Genki, they moved the New Form. We're not sure if the canister's safe. Ça me tue qui est le chat pendant les cinématiques. Genre ils l'ont vraiment intégré. It's that new Spider-Man. His powers messed with the structure. Tell everyone not to touch it. They're hideouts. New Form's gotta be in one of them. I need a clear picture. Then I can narrow it down. We don't know enough about this stuff. What it is, where it came from. My brother created New Form. Eretre. Chief chemist. And Roxxon killed him. Is
C'est devenu tout calme d'un coup dans le chat. Tout calme, tout calme. Stop until vous étiez dissipé tout à l'heure, hein? Are you with me? You know we are. Good. I need power. Generators, car batteries, whatever you can find. Bring them to the theater. Dissipé tout à l'heure, hein? Putain. Sacré Vito. C'est quoi un 6P? Je te laisse Vito t'expliquer. Ça on peut toujours pas passer. Ok, you do you. I'm gonna research the map you found. See what dots I can connect. Can finally check fighting the Marvels off my bucket list. I cleaned up that photo you took of the map. Un CP, c'est un groupe de deux trips. Quoi? Construction sites. Putain. What about a theater? Finn mentioned one. A theater, huh? That's... Don't say it, Genki. Dramatic. You said it. Ça marche. That'd be the Gem Theater. Sounds like that's where she hit the new form. So that's my next stop. If you're headed to the theater, I'm all in. If you're gonna check out those underground hideouts first, I know someone who can help. Cool. I'll add the hideouts to my to-do list. And hit you up when I get to the theater. I'll be here. Niveau 29, hein, déjà 29. Finn's not meeting the underground at the gym till later tonight. I'll probably have some time to check the app or whatever else needs doing. Et avant le 6P, il y a le 5P. Le 5P. Trigal 3, 3 x 2 égale 6, 6P. Ah oh, bah GG. Vous partez loin quand même. Vous partez très loin. No, I mean yeah, but okay. While you were sleeping in, I kind of placed. J'ai pas votre imagination. The build I set you last spring, or the one on your laptop. Dude, that one's not done. It's a total mess. Le 4P, le 3P, le 2P, le 1P. Vous me faites peur parfois. Moumou, t'es sûr que tu t'es reposé pendant tes vacances? No, it should be impossible. I deleted that level because it breaks the game. Les 6P trip. I gotta go test some stuff. Bye. C'est justement parce qu'elle s'est reposée, Moumou, qu'elle a dit des trucs comme ça. Ah, on peut toujours pas passer à la cinématique, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? On peut pas passer tous les cinématiques. Barriers electrified. Bam, 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 bam. And not friendly. Your suit says that was 300 kilojoules. How is that just kilojoules? Benefits of bioelectricity, I guess. Power can be supplied all locally. Le fil rouge là qu'on voit là, j'ai cru qu'il était en train de me tirer dessus vu que j'étais comme ça. Alors, allons botter le cul des culs. Sign of the power source? Several. Bet these cables lead the way. Electrified barrier is the next level. Maybe they got nervous after someone infiltrated Fisk Tower. Who do that? We're not scared of you, Spider-Man! Shh. Blowing up the plaza? That's your plan? It's a terrible plan! Got him! Now I gotta drain that generator. Et demain.
All right, drained it. Feeling good. Now for the others. Le fil rouge qu'on voit ici, par contre, c'est le lore des 6 P. Vous partez vraiment très très loin. Je suis désolé, je ne vous accompagne pas dans votre création. C'est... Hein? Vous m'envoyez navré, hein, mais... Ça c'est bon... Miaou. Non mais attends, mais il y avait un truc là-haut. Non. Hey, any updates? Bah, dégage. Cool, cool, chipping away. Pourquoi il y a l'annonceur de Street Fighter 6 qui gueule? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte, eux? Du coup, je présume que je l'ai loupé. Underground, soon be no more generator. Bah. Pourquoi je peux pas le désactiver? Et d'accord. Si tu n'entends pas, c'est le même problème que celle que tu ne peux pas voir au fond de la cuisine, tu fais vraiment exprès de nier. Et pas de nier. Tiens d'ailleurs, vous qui avez fait Street Fighter 6, moi je pense que de mon côté je ferai Tekken 8. Il est possible que... Vito m'a donné un peu envie d'y jouer. Il y a un intérêt à jouer à Tekken. Moi là mon intérêt c'est retrouver un peu les vibes que j'ai que j'avais quand je jouais à Tekken 3. Non, Street Fighter ça m'intéresse vraiment pas. En vrai.
Alors que c'est le même type de jeu, hein, mais je sais pas. Je pense que je serais plus à l'aise parce que je connais les personnages, la majorité des personnages sur Tekken. Bah moi je veux bien désactiver les générateurs, mais ils sont où? Bah et lui maintenant je peux le désactiver, je comprends plus rien. Je crois qu'il est bugué. Je crois qu'il est bugué. Non, il y a un L1 qui s'affiche, on va relancer. Voilà. Il était bugué. That did it. Barrier's fresh out of power. In prime for smashing. C'est quoi le WT? C'est World Tour? The way to the main auditorium. Now it's blocked. Oops. Maybe there's a staircase or an elevator. Par contre, Mortal Kombat 1, je pense pas le prendre. J'ai bien aimé le 11, mais trop similaire au 10 et le 1 a l'air trop similaire au 11. Comment ça le 1 a l'air similaire au 11? Attends, s'il y a un 11e jeu qui est sorti, pourquoi on reparle du 1? Hey man, I'm thinking. What if you told Finn you're Spider-Man? Yo Finn, not only did I lie about joining your club, but I'm also the le RPG avec l'open world, ok. Okay. Moi, en parlant de RPG open world machin, il y a Soul Calibur aussi qui me redonne envie. C'était trop bien Soul Calibur. C'est un remake reboot qui avait... Ah d'accord, ok. Deux contre deux, ok. Je savais pas. J'ai pas du tout... Moi j'y connais. Je suis pas du tout les histoires des jeux de combat. Moi je sais juste que j'avais vraiment bien aimé jouer à Tekken 3. Voilà, c'est tout. Et que je suis nul. Soul Calibur RPG, non, mais en fait, le côté un peu histoire des Soul Calibur, j'aime bien. Quand t'as dit en parlant des RPG, ça me fait donc penser à histoire et donc jeu de combat, histoire, Soul Calibur. C'est ça ce que ça sonne dans ma tête. Alors, ça c'est bon. So why do you think I should tell Finn I'm Spider-Man? Don't you think she might react badly? Let's make a pros and cons list. Pro. She's your best friend. Besides me. Con, she's a tinkerer. Comme Ghost Recon et Far Cry, exactement. Con, the other Spider-Man was super clear. Don't tell anyone who you are. You told me. Maybe if she knows it's you she's fighting, she'll rethink the whole tinkerer thing. Comment on fait pour aller là? Right. Drywall's falling apart. There's a generator back here, but these backdrops are in the way. Nice. Clear line of sight to the generator. D'ailleurs, tu as Rainbow Six, sinon, qui est Call of Duty. Je connais pas. Pour pousser l'exagération, GRFC. Ah, Ghost Recon et FC. Mais moi, je connais pas Rainbow Six. Je connais deux noms, mais je sais pas ce que c'est comme jeu. Il me semble que c'est un jeu de shoot, mais à part ça. Euh...
Finn's had this set up a while. I need to look around. Ah ben, non, mais je l'ai fait. Three down. One to go. Et encore celui-là. Et celui-là, je vois pas comment faire. Ah, on pouvait péter le mur, ok. Finn's been making new weapons to deal with me. Guess she told the rest of the underground to keep tabs. That sounds promising. Voilà. What are you up to, Finn? Finn's pumping energy into the new form, making it unstable like my venom did. Which exploded the bridge. So. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Parce que je crois que j'ai atteint ma dose pour aujourd'hui. Ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu raid mais là, il reste une heure. Parce qu'il me semble que c'est 14h30. 14h30. Oh non, ça y est. Non, là, faut que je m'arrête. J'arrive à un niveau d'humour à la Vito. Faut pas. Il faut pas. I'm taking the new form. Come on. Come on. Crap, crap, crap. Spread out. He's here somewhere. I need to get the new form. Je pense qu'on va terminer cette mission. Et dès qu'on sera en extérieur, j'arrêterai. What if Finn's right? And this is the best way to beat Roxxon. Finn's not just. Allez, venez tous là. If you give me the new form, we can skip this part. Here, the new form. Et moi qui me disais qu'il restait une heure et comment il y avait Kevaki pour pas se faire chier, super. Ah, désolé, trop. Alors tu lances en avance. Du coup, ce qui fera que tu modifieras ton planning. Mais ouais, là, j'atteins ma dose. F pour le live ? Non, ça tourne très bien chez moi. Il y a un gros coup de lag. Ah ouais ? Étrange. Je sais pas. Even Spider-Man's not ready for this. Allez, le début des méchants qui me font suer. Don't let him near the new form. Gotta focus. Allez hop là. Gotta
spiders, man. Okay. Voilà. Now for the new form. Okay. See? No. Et vu qu'a priori je suis le seul à regarder. Mais non, il y a Vito. Il y a Vito, il y a peut-être Moumou aussi. Je check un peu les lurkers. Il y a KD. Oh, j'ai oublié KD. Peut-être aussi en lurk. Refreeze. À moi de. Sur mon retour, il n'y a pas eu de freeze. Je sais pas. Ah, merde, putain. Ça lag. Ah ouais, non, moi de mon côté, non. Ça vient de chez toi, donc je pense trop. Confirmation de Vito. Hey Genki, ran into Finn. What's happening? She grabbed Dodo va bien. I'm chasing her across Manhattan. Okay, how are you gonna stop her? Step one, catch her. Step two, I'll get back to you. Oh, move. Back off. This is between me. Ah, si elle va trop loin, je perds. Ouais, c'est la cinématique. How about we use our words? How about you stop being so flingy? Oh, she's not tired yet. J'aime bien ça quand les cinématiques comment dire quand ça passe de cinématique à jeu. I need a new strategy. Gonna do what you say. Tell her the truth? Yeah. Soon as I catch her. Tinkerer, I gotta tell you something. Slow down. Do you think I'm stupid? You wanna hear this. I promise. Step off, Spider-Man! Merde! Ah, il est possible que je perde, voilà. Je vais tomber dans l'eau. I gotta tell you something. Slow down. Do you think I'm stupid? You wanna hear this. I promise. Step off, Spider-Man. Toujours pas passé. Toujours pas passé. Oh, la majorité des cinématiques, on peut pas les passer finalement. Quand Eric il me disait merde. Quand Eric il me disait ouais, non, mais le jeu va vite. En plus, tu peux passer les cinématiques. Oh non, le chatounet! Give me one good reason not to end you. My mom would be very upset. Miles? Oh my god! Revelation! Can we just... You two on the roof! Freeze! That could have gone better.
Think she cracked a rib. Or three. Hey, bam! Hey, how'd it go with Finn? Not great. You still at my place? I'm actually at home. My parents get back next week, so I thought I'd clean. But I can come back. Nah, it's okay. I'll call you later. Now what? Allez, petite sauvegarde. J'avais dit que du coup, comment ça, sauvegarde manuelle, elle n'existe pas. Ah, c'est peut-être parce que j'ai créé une nouvelle sauvegarde, c'est peut-être pour rapport à ça. Je vais même en faire deux. Bam. J'avais dit qu'on s'arrêtait dès qu'on arrivait à finir la mission. Oh bon. Bah, ça aura quand même pas mal avancé. Je pense, en vrai, en une session supplémentaire, je pense que je peux le finir. Ouais, merci à vous, monsieur Vito. J'espère que Treu il a pas trop bugué parce que du coup il a pas répondu. Alors, messieurs, dames, nous nous arrêtons là. Il est en train de mourir sur son canapé. Ouais. Ouais, j'ai chaud. Et j'ai faim. Et voilà. J'ai pas répondu car t'as rien demandé. Ok. Messieurs, dames, nous nous arrêtons là. Pour aujourd'hui. Mais nous allons nous retrouver dès la semaine prochaine et ce dès lundi. Dès lundi, c'est-à-dire finalement demain pour la suite des événements sur la chaîne. Et nous allons commencer avec un jeu, une formule que j'ai un type de jeu que j'ai rarement proposé, voire même peut-être jamais proposé sur la chaîne. Un jeu indépendant pixelisé. Ça s'appelle A Space for the Unbound. Je connais que de visuel, mais en termes d'histoire et de gameplay, un peu moins. Voilà, c'est un jeu que j'ai vu sur la chaîne de Iconoclast sur YouTube. Vous savez, Iconoclast qui faisait partie de Trash. Sur YouTube, Trash, Poké Trash, tout ça, si vous connaissiez un petit peu. Il faisait partie des membres. On va voir ce que ça donne, ça va être une totale découverte. Peut-être que je ne vais pas aimer, auquel cas ce n'est pas grave, ce sera une découverte et on passera à autre chose. Et peut-être que je vais apprécier et peut-être qu'on terminera le jeu. Voilà, voilà. Donc demain, aux alentours de 10h45. Voilà, si tout va bien. Il est possible d'ailleurs que cette semaine, il est possible, parce que je vous ai dit que les lives commençaient environ à cette heure-ci, mais peut-être qu'il y aura un décalage, donc un retard de live. Si je décide de faire un petit peu de course pour pouvoir manger chez moi. Il est possible. Ça peut arriver. Non, un DK. Vito, t'aurais pu faire le jeu de mots avec un DK. Ah, c'est ce jeu, je viens de voir. Tu vois de quoi je parle du coup. Et Re Phoenix t'arrive à la fin. Le rendez-vous est pris, mais le rendez-vous est pris des deux côtés. Un décalage, exactement. Un DK, un Donkey Kong. Hein ? Un DK, tu vas jouer à WoW. Mais quoi ? J'aurais pensé à Donkey Kong. Death Knight ? Je connais pas. Ah, mort permanente. Non. Si, c'est mort permanente. Non, je sais pas. Chevalier de la mort. Mais c'est le mode mort permanente, là, ou je sais pas quoi. Mode hardcore, ou rien du tout. Ou pas rien à voir, je veux dire. Vous sentez que je suis fatigué, ça y est.
C'est une classe 1, d'accord. Et moi, j'ai pas vos rêves, moi. J'ai pas vos rêves. Vous pouvez pas faire des rêves de trucs que je connais. Alors, messieurs, dames, qui est en live actuellement? Il n'y aura pas de raid parce que je voulais raid trop. Mais sinon, il n'y aura pas de raid. Alors, vous avez monsieur Drake le Lion. Pardon, je vais me faire un rototo. Drake le Lion Blanc, qui est sur FF14. Plimsou, sur Overwatch 2. Cet après-midi, du coup, il y a Treux dans 3 quarts d'heure à peu près, qui va lancer son jeu Fae Farm. Je ne connais pas du tout. J'ai envie de jouer à WoW maintenant. Bravo, Kevaki, bravo. Eh bien, merci. Genre comme si c'était de ma faute. Comme si c'était de ma faute. Bah oui, bah non. Moi, je n'ai jamais rien fait d'autre que de parler. Et c'est vous qui tournez mes phrases en jeu de mots. Et qui après... En fait, vous vous donnez vous-même envie, monsieur Treux, de faire d'autres jeux. Exactement, monsieur Vito. Bon dimanche à vous. Bon après-midi. Chez Treux, je compte sur vous pour aller chez Treux. Chez tout le monde finalement. Vous mettez les lurks partout. Et merci comme d'habitude d'être venu m'accompagner dans ce gameplay infernal de la chasse aux trophées. Un gameplay où on n'en a rien à foutre de l'histoire vu qu'on a déjà fait le jeu. Qu'est-ce que je veux dire? Miles Morales reviendra, bien entendu. J'aimerais bien le platiner en live. Alors quand, je ne sais pas. Moi, je me cale en général les chasses aux trophées le dimanche. Mais le dimanche, il y a aussi d'autres trucs. Ça arrive pas vraiment en semaine, rarement. À moins que ça soit un jeu en cours sur la semaine. Donc je ne sais pas quand est-ce que va revenir Miles Morales. Puisque dimanche prochain, c'est Resident Evil Revelations 2. Bon, allez. Merci aux lurkers également. Merci à vous. J'ai vu vos pseudos. Je vous fais des bisous. À toutes chez les autres. Vous me retrouvez chez Monsieur Treux tout à l'heure. Bon après-midi. Des bisous. Tout ça, tout ça. Ciao. Ciao.